invité. Je considère que le transport adapté, c'est essentiel. Ça touche à toutes les sphères de la vie sociale. T'sais, on parle beaucoup d'une politique d'accessibilité universelle à la ville. On rend accessible, par exemple, les trottoirs, toutes les infrastructures, les bâtiments, puis on tente de le faire. Mais sans transport adapté au quotidien, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Le transport adapté, c'est la clé de l'intégration sociale. Par exemple, nous, on vit des situations où on a vécu des situations où une personne voulait aller, exemple, au cégep, puis cette personne-là se retrouvait coupée parce qu'on lui disait « ben je peux t'offrir juste 3 transports par semaine ». Le transport adapté faisait bien son possible, mais c'est les fonds qui se révèlent insuffisants. La même chose pour une activité, par exemple, on avait une personne, elle voulait aller en piscine parce que ça lui faisait du bien physiquement, ça lui enlevait des douleurs. Finalement, on lui a dit « ben on peut plus te transporter en piscine, il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre ». Donc la personne est limitée, on est limité partout. Des gens qui ont eu des emplois, puis à un moment donné, ont été obligés de renoncer parce qu'il n'y avait pas assez de transport. On veut pas que ça empire, on veut que le ministère comprenne que c'est le temps d'investir, étant donné que la population vieillit aussi, là, on est déjà dedans, le mécanisme de vieillissement de la population, ça va être quoi dans 10 ans, dans 15 ans? La population va avoir encore plus vieilli, donc va avoir encore plus besoin d'aménagement pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ce serait important que le gouvernement comprenne ça. Rappelons-le, pour la plupart de ces personnes, devant souvent composer avec un faible revenu, le transport adapté, offert avec la contribution du MTQ, se révèle souvent le seul moyen de déplacement envisageable. Vous, citoyens et citoyennes, qui avez la chance de jouir de toutes vos capacités, qu'elles soient physiques, mentales ou intellectuelles, si l'on cherchait à limiter vos déplacements, comment réagiriez-vous? Nous estimons qu'il est vraiment temps d'apporter des changements au financement du transport adapté pour que les personnes handicapées puissent mieux vivre leur intégration dans leur milieu en participant pleinement à la vie en société. Depuis 2005, les personnes handicapées de la MRC de Drummond vivent avec des contraintes dans le domaine du transport adapté. Elles éprouvent par exemple de la difficulté à obtenir un déplacement pour des études, pour du travail et aussi pour leurs activités sociales et communautaires. La ville de Drummondville, qui est chargée d'être le mandataire de ce service que nous considérons, et j'insiste sur ce mot, essentiel, a le devoir d'assurer le transport adapté sur son territoire. Elle y injecte d'ailleurs depuis plusieurs années de l'argent afin d'assurer un service adéquat. Selon des données fournies par Transport Diligence, le ministère du Transport exige des municipalités qu'elles défraient 20 % du budget annuel attribué aux transporteurs. Quant à Drummondville, elle remet 14,3 % de plus que ne l'exige déjà le ministère. Quant au ministère, celui-ci devrait céder 65 % du budget. Dans la région de Drummondville, le pourcentage attribué par le ministère est de 49,6, ce qui ne respecte pas le décret concernant le programme d'aide gouvernementale au transport adapté. Le transporteur tente de suffire à la demande, mais les fonds nécessaires provenant du ministère des Transports ne suffisent pas. Ils se révèlent nettement insuffisants. Il y a une pétition que vous pouvez aller signer de manière électronique sur le site de l'Assemblée nationale qui vise à interpeller le ministère du Transport. Donc, vous avez jusqu'au 2 décembre pour aller signer la pétition.